Salutations, amis de la vapote. Comment allez-vous? Écoute, moi ça va plutôt très bien. Aujourd'hui, on se retrouve, voilà, dans le nouveau décor. Alors, bon, le nouveau décor, normalement, il est juste à côté, dans la pièce à côté, mais c'est encore en travaux pour le moment. Alors du coup, fais comme moi. Il est, en ce moment, il doit être à peu près 10 h du matin. Sers-toi un petit kawa. Et puis, pose-toi devant l'os télé, devant la tablette, devant là où tu me regardes. Et puis écoute, on va parler du Reload. J'ai oublié la fin du nom, mais c'est le Reload, tout simplement. Voilà. Comme d'habitude, on le fait un peu, je ne vais pas dire à l'impro, mais tu m'as compris. Alors, Reload Vapor m'a envoyé quand même pas mal de colis, vous avez pu le voir sur Internet. Et c'était vraiment giga bien. J'ai déjà eu l'occasion de tester le Reload Vapor par-ci par-là et j'ai pas voulu m'en acheter parce que je pensais que j'allais pas accrocher derrière. Et je dois vous avouer que depuis que je les ai reçus, le Reload classique, donc en simple coil, je l'utilise pas mal. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai le Reload en version RDA, donc sans tank, en version Vapor, qui est juste ici. Et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en version bottom feeder. Voilà, c'est vrai que le dripper pour moi j'avais vraiment délaissé le dripper et je me suis dit tiens, on va le faire en version skunk. On va sortir mon vieux bébé, mon très très vieux bébé, c'est la Dot Skunk 100 watts qui a quand même pris cher hein, durant l'emménagement. Seb, si tu vois cette vidéo, j'en suis désolé, mais pendant l'emménagement elle a pas trop supporté. Et du coup, on va le faire dessus. Alors habituellement, vous voyez, j'ai mis le Flave 24 dessus, ça passait très bien. Et là, je me suis dit, tiens, je vais me répéter, hein, mais tiens, petit bottom feeder, petit... Voilà, al dente, tu vois. Et bah du coup, on va prendre une petite puff avant, parce que bah, du coup, le reload n'est toujours pas monté. Alors... Il faut savoir que dans la boîte des Reload Vapor, aucun coil n'est fourni. Mais par contre, vous avez tout ce qui est joint d'étanchéité ou autre. Le pack ending en soi est déjà très esthétique. Et on voit qu'on n'est pas sur un produit qui vaut 10 balles dans le commerce. Malheureusement, j'ai oublié les coils. J'avais des coils de builder à vous présenter. Je les ai oubliés dans les cartons, malheureusement. Donc on va faire ça avec. Alors, bon, c'est pas plus haut de gamme, mais c'est les performances 7-in-1 de chez Coilology. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas présenté des boîtes comme ça, je vous l'avoue. Habituellement, je suis toujours sur le Flatwire de chez Flatiani 90. Et là, il me fallait des coils prémontés. Coilology, j'ai commencé à les connaître il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est pas sponsorisé ou même collab ou ce que vous voulez. Cette boîte, je l'ai entièrement achetée. Comme la plupart de mon matos en reconstructible, je l'ai toujours acheté, mis à part la Reload Vapor qui me dit bah tiens, on va te les envoyer. Je me méfie beaucoup de ces boîtes-là parce que généralement c'est comme les Demon Killer, gros clous, etc. Je te rappelle que l'Alienwire, si je me trompe pas, c'est 120 watts minimum. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Après, cela nécessite quand même beaucoup de puissance, mais le contenu de la boîte m'intéressait plutôt pas mal au niveau des valeurs ohmiques. J'ai réussi à te placer valeur ohmique. En fait, en gros, sur du simple coil, majoritairement, on est sur du 0,34, 0,21, 0,34, 0,30, 0,32, 0,32 et 0,36. Donc, si tu veux le faire en double coil, c'est totalement bénef. On a vraiment pas mal de coils. Après, on va vraiment pas s'attarder sur la boîte. On a du fuset, du tricorder, du staple, du framé, du multistrand, du chainling. Bon, en gros, c'est un peu du barbare. J'ai jamais été fan de ce genre de coil. Ça fait du coil un peu comme ça. Un peu barbelé, tu vois. J'ai jamais été fan de ce genre de coil, me demandez pas pourquoi. Et après, on a du Juggernaut. Le Juggernaut, c'est ce qui est dans le intake en simple coil, parce que du coup, je le teste en simple coil. Non, en double coil, je dis une connerie. On va mettre un tricorder parce que pas mal de personnes. Non, on va mettre un fused. Parce que pas mal de personnes m'ont dit, il est bien, mais faut pas mettre du gros câble. Alors bon, bah, je vais vous suivre, parce que Reload, je le répète encore une fois quand même, je les connais pas, donc je ne sais pas s'il faut mettre du gros coil, du petit coil, etc. Et sur Insta, vous avez été nombreux à me dire, non, faut mettre du petit coil quand même, même si par la suite, je pourrais mettre du gros coil. Alors, dans ce contenu, on aura...
un petit tournevis Torx très bien fourni et de bonne manufacture, je le pense. Et on a le pin bottom feeder, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Une clé Allen, des joints d'étanchéité, de la visserie. Tout est bon, tout est bon, tout est bon, Jackie et Michel. Alors du coup, on va venir dévisser ce petit pin. Salut, bah, du coup c'est le mois du futur qui fait le montage. En fait, je ne savais pas du tout que le pin bottom feeder était monté. Donc voilà, c'est tout. Vous pouvez vous foutre de ma gueule pendant 5-10 minutes. Voilà. Alors, c'est rare que je fasse des longues vidéos comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de forcing envers Reload Vapor ou autre. C'est juste que... Déjà, c'est un atomiseur qui, esthétiquement, je ne sais pas vous, mais moi j'accroche. J'accroche entièrement. Je ne l'ai pas acheté pour une seule réponse, c'est que le simple coil, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Je vais peut-être apprécier au bout de 10-15 minutes, mais à la longue, ça va vite m'énerver, et du coup, je vais vite saturer, et basta, je vais arrêter. Donc je ne me voyais pas acheter un Reload Vapor. Celui-ci doit être à une cinquantaine d'euros. Je ne me voyais pas l'acheter pour me dire je vais le délaisser par la suite. Hop, alors du coup on va retirer les vis. Alors, vu que c'est du simple coil, je vous le rappelle quand même. On va faire un gros zoom de foufou. Alors, si vous devez dévisser pour faire un simple coil, toujours un ici, sinon un ici, un ici. Voilà. Ça c'est fait. On va avoir une chose de grenier. Hop. On va faire ce montage. Alors, et du coup le montage, ça donne ça. Voilà, c'est vraiment tout rikiki. Alors du coup il me détecte résistance à 0,24, et ça de toute façon on viendra en reparler quand je vous parlerai de la Vopu détecte la valeur ohmique et comment vous met de base la valeur qu'il faut pour vaper. On va faire un rodage à 30 watts, même si je pense que ça va être trop fort. Oh non, ça va, ça passe. Ils sont assez simples à roder ceux-là. Vous n'avez pas besoin de travailler votre coil pendant 45 ans. Il est vraiment pas prise de tête. Bah, ils sont vraiment pas prise de tête plutôt. Hop, on va ranger tout ça. Bah, déjà pour une première impression. Alors, mis à part pour le système de BF où j'ai un peu bugué, parce que j'ai pas eu de notice avec. Je dis pas qu'il faut une notice, mais mais voilà. Comme d'hab, en coton, Cotton Bacon, je viendrai vous parler d'un autre coton que j'ai connu il y a pas très longtemps, c'est le Cotton King, qui marche tout aussi bien. Et en fait, prioritairement, Reload Vapor sont venus me parler pour leur nouveau système de pods, dont j'ai même pas fait la revue, parce que je suis en train de le tester. Et je leur ai dit, ok, ça me dérange pas, pourquoi pas. Je savais même pas que Reload faisait des potes. Et ils m'ont dit, mais vous connaissez nos produits en même temps? Puis du coup, bah, avec mon superbe anglais Google Traduction, je fais, bah ouais, mais j'en ai jamais eu. Ok. Et puis bah, du coup, ils ont envoyé tout ça en DHL. Et pas de frais de douane, donc j'étais un peu étonné. Mais bon. Hop. Alors maintenant. Hop. On va faire opération nettoyage de la fiole parce que ça fait un petit moment qu'elle est dedans. Hop, on va se mettre aussi un petit taquet. Il veut pas. Hop, alors du coup, je vais venir fixer ce petit reload sur cette belle petite Dotskonk 100 watts. Hop, et je vais venir mettre du jus.
pour ce joli coton tout neuf. Ouais, donc vous voyez, 0,36 indiqué sur la boîte et je finis à 0,30. Oh, c'est nickel. Ok, donc vous voyez, tellement que je le fais à la va-vite, je ne savais même pas que le pin BF était déjà prémonté. Voilà. Hop. On va venir mettre la cloche. Hop. Et ben, je ne sais pas vous, mais alors ce setup, il passe très très bien. Et ça marche à fond. Quand même, boire un coup. Et ça marche super bien. Ah ouais. Autant là, je suis à 41 watts. Je pense que je peux même réduire à 30 watts. Ouais, non. Alors, moi qui ai l'habitude toujours de skonk un peu à l'aveugle, c'est bien, c'est que les airflows ne sont pas en bas. Pourquoi je dis ça? Parce que airflow par le bas, si tu skonk trop, ça fuit. Voilà. Là, les airflows sont par le haut, donc je vais essayer de skonk comme je fais habituellement, voir si je me tape un rejet de liquide ou pas. Et le skonk. Alors, le système de skonk sur le reload, c'est ce que j'appelle en forme de puits. C'est-à-dire que tu as ton pin qui est là. T'as un tout petit dôme qui est autour et en fait le jus sort directement et au moins si t'as un surplus de liquide le jus est automatiquement réaspiré et ça c'est très bien parce que ça t'évite de taper plein de rejets de liquide dans la bouche. Je parle en expérience. Bah écoutez, 49 watts, 0,30. Bah c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Au niveau rendu saveur. Alors, pour du simple coil, on a des airflows pas trop aériens, mais pas trop serrés. Ce qui, pour moi, reste plutôt appréciable. Les personnes de mon entourage ou même qui me connaissent personnellement savent que le simple coil, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et là, j'avoue que ça passe bien. Surtout pour un coil qui envoie déjà bien. Je pense que pour les autres coils là-dedans, que j'ai déjà testé et qui demandent minimum 70 watts, celle-ci n'aura pas assez de puissance. Je pense qu'il faudra passer directement sur soit du bypass, soit du mode méca directement. Et à la rigueur, on viendra en parler beaucoup plus tard. Saveur plus que correcte, il fait très très bien son travail. Airflow, nickel. Airflow réglable en passant, j'y pense. Drip tip, vachement classe. Pas trop petit non plus. Parce que. Le intake, le défaut, c'est que son drip tip est très petit. Et celui-ci est vraiment nickel. Alors, vous voyez, je vous parlais du reload en simple coil. Je l'ai mis sur le mec déjà vu, le mec Arcless, le mec Life. Et ça fait aussi un très très beau setup. C'est juste génial. Merci Reload Vapor. Si vous voulez l'acheter, le lien est en description. Si vous trouvez des liens moins chers, n'hésitez pas à les mettre en description, en commentaire directement. Reload Vapor intègre du coup l'espace partenariat maintenant. Et ça fait extrêmement plaisir de les avoir dans la liste. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo. Encore une fois, excusez-moi pour le temps d'attente pour toutes les vidéos. J'en ai pas mal à faire aujourd'hui. Donc vous verrez la même tenue, le même décor, un peu tout ci, un peu tout ça. Je vous fais à tous des gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Et puis écoutez, à très bientôt. Promis, la qualité du son revient très bientôt. Bah, j'espère.
Et puis voilà. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo. Ciao.